La duchesse de Cornouailles a avoué être fan de la série Crimewatch Live de la BBC, qui implique le public pour aider à résoudre des crimes majeurs. Camilla, qui aura 75 ans le 17 juillet, dévore la fiction policière, en particulier les romans policiers de Roy Grace se déroulant à Brighton par Peter James. Il n'est donc peut-être pas surprenant qu'elle plaide coupable d'Aimer la vraie chose. Elle a rencontré les présentateurs de Crimewatch Live hier lors d'une visite à BBC Wall à Cardiff et leur a dit « Très agréable de vous rencontrer. J'adore Crimewatch. J'ai toujours été étonné par le nombre de crimes résolus. Point. La duchesse a discuté avec les présentateurs Rav Wilding et Michel Ackerley et des membres seniors de l'équipe de production qui lui ont dit qu'une reconstitution de crimes sur 5 présentés dans le programme conduisait à une arrestation, puis une sur 3 à une condamnation. Incroyable, dit-elle. Dans les studios, elle a rencontré un visage familier, la militante contre la violence domestique Rachel Williams, qui a été abattue à bout portant par son mari violent et séparée en 2011 lorsqu'il a fait irruption dans les coiffeurs où elle travaillait avant de se suicider. Peu de temps après, leur fils de 16 ans, Jack, s'est suicidé. Madame Williams a rencontré la duchesse à plusieurs reprises et son histoire est l'une de celles qui ont inspiré Camilla à lancer une campagne mettant en lumière la violence à l'égard des femmes. Elle a donné à la duchesse un dessin d'elle-même et du prince Charles créé par un autre survivant dont l'agresseur a refusé de la laisser dessiner jusqu'à ce qu'elle ait terminé sa longue liste de tâches quotidiennes. Camilla a également reçu 2 manteaux tricotés pour ses chiens Jack Russell, Bess et Bluebell. Madame Williams lui a dit, s'il vous plaît, continuez à faire ce que vous faites, vous êtes un tel défenseur. La duchesse a félicité Rachel pour avoir raconté son histoire. Il est si important que les survivants comme vous s'expriment, car cela sensibilise les gens, a-t-elle déclaré. Sur Crimewatch, vous pouvez attirer l'attention sur ces choses. Elle a demandé aux présentateurs quand ils étaient de retour à l'antenne. Octobre, nous sommes de retour à l'antenne pour la prochaine série de 15 émissions. Et maintenant, nous saurons que vous regarderez maintenant, a plaisanté Wilding.